Salut à tous, c'est Crash Breaker et on se retrouve sur Forza Horizon 3. Cette fois-ci, c'est pas la démo mais bien le jeu complet. Donc voilà, on va continuer les voitures de Juju Breaker. Voilà, Juju Breaker va enfin pouvoir continuer chez la voiture sur Forza Horizon 3. Donc voilà, on va partir. Donc là, il faut que j'aille au festival pour l'agrandir. Donc voilà, parce que dans la démo, on s'est arrêté là. Donc voilà, je me suis dit autant repartir d'ici. Donc on va y aller, c'est parti. Donc j'espère que les vidéos jusque-là vous auront plu sur FIFA aussi. Et que voilà, et que vous continuerez à prendre du. Oh là, attendez. Regardez pas. Désolé, Elodie. Continuerai à regarder ces vidéos, que vous prendrez du plaisir à les regarder, les aventures de Juju Breaker en Forza Horizon 3. Et voilà, on va voir ce que ça donne un peu au niveau des modifs là et tout. Par contre, j'ai du mal parce que je roule tout le temps à droite alors qu'il faut rouler à gauche. Je prenne l'habitude. Ah, je repars direct à droite. Donc, alors on va aller là. Donc étendre, d'accord, ok. Chargement un peu long. J'ai trop fait. D'abord Byron Bay, puis l'Australie, puis. En fait, je crois qu'on va rester en Australie. C'est vraiment génial ici. Ok. Donc là, on l'a agrandi. Bienvenue au salon auto. D'accord, continue. Tu fais du bon boulot pour le moment, boss. Kira m'a dit de te confier une nouvelle voiture pour les courses à venir. Jette un coup d'œil à tout ça et choisis celle qui te plaît. Ok, donc on a du BMW 4x4. Jeep, Lamborghini. Oh, choisir. Bon, bah écoutez, moi le choix est vite fait. Ça sera Lambo, 799 chevaux, il pète sa mère. Allez, on le choisit. On va voir la gueule qu'il a. On va faire de la course tout terrain. Pouf. On résume souvent Horizon à la musique et aux voitures. Mais tu sais quoi? Les peintres ont aussi leur mot à dire. Certaines créations de ces types auraient leur place dans une galerie. Ici, tu peux voir les peintures créées par les autres et en choisir une pour ta caisse. Voilà, c'est ça qui est énorme dans Forza, c'est que voilà, c'est... Il y a toujours eu ces trucs. Là, il crée ces putains de vinyles. Bon, après, c'était arrivé sur Need for Speed aussi maintenant, ça. Mais voilà. Donc, bon, voilà. Moi, j'ai pas envie de prendre celui-là de quelqu'un d'autre. Je suis plus à vouloir créer le mien. Couleur. Couleur spéciale. D'accord. Plutôt original, hein. Aluminium poli. Oui, on va voir, je sais pas combien de couleurs. Couleur normale. Autant le... Non. Voilà, autant le garder en rouge. J'aime bien comme ça. Sélectionner. Je vais vous choisir cette voiture, oui. Donc pour l'instant, on voit pas trop les modifs visuels. J'espère qu'on va pouvoir en voir un peu. Voilà. Bien, voilà ta nouvelle voiture. Tu peux te contenter de rester ici pour l'admirer ou me demander de lui apporter des améliorations visuelles. Dès que tu auras terminé, libre à toi d'aller faire un tour avec sur le festival. Je vais attendre que les latences s'en aillent là, parce que je comprends pas, pourtant j'ai un meilleur coup là. Déjà c'est vachement fluide le déplacement, je trouve que c'est vachement bien fait. Donc on voit toutes les améliorations visuelles des voitures, vous voyez c'est vachement complet. Hein. Tac. Les phares. On peut les allumer. D'accord. Ah ok. Par choc.
Bon, bon là après ouais sur celui-là il va pas y avoir grand chose. Tu veux un nouveau kit carrosserie? Les kits larges et rabais sont fureurs en ce moment. Barre anti-roulis. Bon, ça, pas trop. C'est un Lamborghini, quoi. Installer les réglages. Est-ce qu'on a d'autres là du coup? Ah mais d'accord. Ok, moi je suis con. C'est qu'on n'a pas fini en fait. Ça c'est quoi la plaque? Attendez, parce que du coup je sais pas moi. Ça c'est quoi? Ça c'est la plaque, d'accord. D'accord. Il y a un béquet qui s'ouvre et tout sur ce machin. Oh putain, le coffre et tout. Putain, ils ont pensé à tout ça. Oh, ils ont pensé à tout. La porte. Oh là là, c'est magnifique. On peut rentrer dedans. Hop. Pour voir l'intérieur. Putain, c'est incroyable. C'est vraiment super bien fait. Ils ont fait tout au détail. Hein. Ils ont dû se faire chier. Je suis sûr qu'ils ont même refait les bruits de porte. Bon, écoutez, là, il n'y a pas plus à voir, de toute façon. Gomme de pneu. Ah oui, après bon voilà, on va laisser d'origine pour l'instant. Voici le garage. C'est ici ah, que voilà. Tu peux peindre ou améliorer ta voiture, ou simplement me rendre visite. Amélioration. Salle des ventes, on n'a rien. Mes voitures. On peut pas. L'animation personnalisée vous permet de modifier votre voiture exactement comme vous l'entendez. Par exemple, si vous souhaitez vous concentrer sur l'adhérence, essayez de nouveaux pneus. Personnaliser la carrosserie, c'est juste ici. Non. D'accord. Conversion. Modifiez les principaux éléments de votre voiture. Changera sa nature, la conversion donc une incidence sur les émotions. C'est ici qu'on sort l'artillerie lourde. Moteur amélioré et double turbo. D'accord. C'est vraiment complet. Même pour le faire sur la BM en fait. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah si, c'est bon. Amélioration. Bon, on va voir un peu ce qu'elle donne. Niveau amélioration, qu'est-ce qu'on a?
Putain, on a rien quoi. On a un petit pare-choc avant. Allez, on va le mettre. Bébé carrière. Ok, ça c'est bon. Nouvelle jante. Si ta voiture a besoin de nouvelles chaussures, on peut s'en occuper ici. Jante sport, jantes en plusieurs parties. C'est-à-dire. D'accord. Bon, bah là, ça sera une vidéo spéciale modif pour vous montrer, voilà, les capacités du jeu. Et après on découvrira un peu plus le jeu. Là je cherchera Mamadou. Mamadou, Mamadou Tuning. On va essayer de la finir sur cette vidéo. Et puis voilà. Bon après vous inquiétez pas, à mon avis le niveau des jantes là il y a, j'ai pas tout. Hein. À mon avis il y en a beaucoup d'autres. Là, c'est vraiment que le début. On doit en débloquer après. What the fuck? Bon, déjà là, il y en a beaucoup plus. Hein. Spécialité. Putain, j'ai une latence de merde, je comprends. J'avais une putain de cause jusque là. J'ai téléchargé la mise à jour, mais en 2-2 quoi. Et là, ça rebug, moi je comprends pas. Vraiment, j'ai fait une belle connerie en allant chez Free, moi je vous le dis. Je vous conseille pas, hein. Franchement, je m'en bats les couilles. On va les balance comme ça. Ouais. Bon, qu'est-ce que je prends du coup? Je sais pas. Après. Je passe en 20 pouces. Toutes les pièces que tu veux dans le panier, je te ferai une estimation des performances. Si ça te convient, on se mettra d'accord sur le prix. Teste toutes les configurations que tu veux. Je suis à ton service. Attendez. Donc si ça, je l'appuie là. Ah ok, on peut pas choisir la couleur. Peut-être après. Donc là on a ça, après. Je vous montre un peu si le niveau moteur. Si tu voudrais connaître le moteur, t'es au bon endroit. Échappement. Voilà, bon après je vais pas trop la monter parce que c'est la voiture du début et bon, j'ai pas envie de dépasser toute ma thune là-dedans.
Mais bon, vous voyez, c'est vraiment complet, quoi. C'est ici que tu peux modifier et régler la maniabilité de ta voiture. T'es pas satisfait de ta transmission? On peut te la changer ici. Kit carrosserie. Je vais le voir un peu. Voilà, ouf. D'accord. Ouais, bon, on va le mettre le kit. Hein. Ok, LM. Installer les réglages. J'ai gagné en latéraux, en classe. J'ai pris un peu de poids. Moi, j'ai pris 2 kilos. C'est pas énorme. C'est pas grand chose. Alors, voilà. Enfin bon, je vais la laisser à la mienne, mais putain, elle pète comme ça aussi. Création peinture, on va voir un peu. Voici l'atelier de peinture. Crée ta propre peinture. Découvre de quoi sont capables nos artistes en herbe à Horizon. La voiture est constituée de plusieurs calques. Les calques sont numérotés, les numéros les plus élevés apparaissent toujours sur la voiture au-dessus des autres calques. Oh putain. Si vous voulez des conseils à partir des concepteurs livrés, que je vous renais Forza Horizon 3, rendez-vous. Enfin bon, après ça, ça peut être bien compliqué, hein. Côté gauche, appliquer une forme vinyle à un des calques constructeurs, un groupe de vinyle. Non, c'est pas ça que je veux. Ah oui, mais j'ai mis chargé. Voilà, on a les vinyles en géométrique, vinyle communauté. Voilà, communauté 3. Hop, dégradé, ça pète. C'est bien, bien, bien complet. Les lettres. D'accord, ok. Alors, à la limite, moi j'ai envie de faire juste. On va faire un truc vite fait, hein. Faut pas que la vidéo soit trop longue. De toute façon, vous la reverrez quand je l'aurai fini. Vous la verrez à la prochaine vidéo. J'ai envie de faire un petit dégradé. Juste un peu, voilà, ça c'est pas mal comme ça, c'est pas dégueulasse. Pivoté, obliqué, transparence, hop, tac. Bon, pour voir la couleur si on veut changer, ça fait rouge.
rose avec le bleu. Ah, j'aime bien comme ça. Alors après, est-ce qu'on peut... Ah, c'est ça le problème. C'est que je sais pas... C'est ça que... Voilà. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait, si vous voulez, pour copier d'un côté et le mettre de l'autre. Je connais pas encore assez Forza. Faudra bien que je regarde. Parce que ça, c'est vachement important. J'ai mis cette couleur. Hein. Ah oui, d'accord. Attendez, donc côté gauche. RT. Ah, non, ça sert. Sélectionner calque. Ok. Bien que je regarde comment ça marche. Donc là, vous avez compris le concept. Donc là, après, voilà, on peut s'amuser. Donc voilà, on va pas faire plus long parce que ça va être vraiment trop long sinon là. De toute façon, il faudra que je la finisse, il faut que je regarde comment on copie et on colle sur l'autre côté parce que sinon c'est vrai que ça va être chaud. Ça fait comme l'histoire speed au début.
Surtout que moi j'ai quelques idées après pour les autres voitures, alors. Ça va être vraiment chaud si on peut pas copier-coller. Voilà. Je sais que la peinture de l'extension de Byron Bay est à peine sèche, mais Horizon pourrait accueillir de nouveaux fans si on ouvrait un deuxième site. Les éclaireurs ont découvert de nouveaux points d'intérêt. Je les ai ajoutés sur ta carte. Définis un itinéraire vers l'un d'eux. Donc, on va faire comme ça. Là, regardez, là, c'est jaune. Là, c'est beaucoup moins jaune. Ça fait dégueulasse. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, voilà, j'espère que la diffusion n'a pas été dégueulasse, je le verrai au résultat. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Enfin, bon, là, ça va être compliqué ce mois-ci. Mais vraiment, le mois prochain, j'achète la Elgato. Donc après, de la qualité même sur Xbox. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur Forza pour la suite. Voilà, je continuerai par là. Enfin bon, je finirai la voiture avant de continuer la vidéo. Comme ça, vous verrez un peu ce que donne le résultat. Et puis voilà, on va se retrouver sur FIFA. Suivez bien sur YouTube parce que ceux qui étaient déjà là cette année, pour ceux qui ont suivi Gone the Top saison 1 sur FIFA 16, et bah, y a Gone the Top. On tourne le premier épisode demain, ça va être énorme. Un moment qu'on n'avait pas tourné d'épisode, donc là on attendait impatiemment le 17 pour pouvoir reprendre une deuxième saison avec Pachol, ça sera super cool. Voilà, ça promet en tout cas une grande année sur cette chaîne encore, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'espère que vous serez un maximum et qu'on sera de plus en plus et on échangera ouf quoi. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur Forza. C'était Crash Breaker. Eh non, pas de, c'était Juju Break. Toute la bise. La bisou.